Allez, c'est parti, round 3. Bon, c'est peu probable que je passe ce round, mais on sait jamais. On va focus, j'espère que les maps me correspondront. En tout cas, Pélitan, ça me correspond pas mal. Enfin, je crois. À vrai dire, je suis pas certain, parce que vu que j'ai pas train, je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, c'est une map que j'apprécie. C'est déjà ça. Comment ça, 2 rounds on this map? Non, non, moi j'en veux 4 des rounds sur cette map comme d'hab. Hein. Good luck. Merci, Matt. Let's go. Ah, yes. Bon, du coup, c'était un faux départ. Du coup, on recommence le warm-up. Ils ont dû avoir un petit problème de setup, de match setting. Ah, je suis pas à l'aise, là. Je suis pas bien dans ma chaise. Ah, y'a révolution sur le serveur, ok, donc là, bon bah, c'est pas plié, mais bon. S'il y a révolution sur le serveur, on sait qui c'est qui va finir premier. Le Revo, il est fort. Y'a que 2 rounds, je viens de l'entendre chez Zera. Mais quelle tristesse! J'espère au moins les points, ils seront doublés alors. Sinon, c'est totalement inégal, c'est trop nul. Puis justement, enfin... Ouais, ils font sûrement ça par rapport à la longueur, mais c'est vraiment dommage. Bon, du coup, je vais voir un peu au feeling comment je passe ce passage. Là, par exemple, vu la vitesse que j'ai, ça partira clairement sur un double tap pour respawn. Juste pardon, je vais remettre le petit message aussi par rapport à OBS, tac, comme ça voilà. Si les gens viennent sur le live, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a envoyé une notif. Ah ok, c'est on lance le round 3. Comme ça, si les gens viennent sur le live, ils verront que c'est normal si je parle peu. Allez, c'est parti, round 3, let's go. GL et HF. Le pire star de l'univers. Vu que j'ai touché le mur.
Oh non. Oh non! Ah, quel dommage! Ah là là, j'étais 26ème, c'était pas mal. Bon, là où j'ai perdu du temps, c'était sur la glace. Hein. J'étais 15ème à l'entrée de la glace, je suis sorti 30 et quelques. Et il y a aussi Staroid! Non mais incroyable! Décidément, Staroid, c'était un très bon ami. Ah, les anciens Lazy sont entraînés, hein. Zedrom 1er, Kyle 3ème, Yakil 4ème. Décidément. Mais ouais, non, du coup, je suis un peu deg là. J'espère faire mieux. J'espère arriver à faire mieux là. Allez, deuxième round sur cette carte, on y croit. Oh non, sérieusement. Oh, c'est bon. J'ai perdu de la vitesse, mais il y a eu pire. Bon, j'ai quand même perdu 10 places dans l'histoire. Ok, c'est clairement ça la meilleure façon de passer. Oh non! Oh là là, pourquoi j'ai tenté ça? J'ai perdu trop de vitesse par rapport à mon save de d'habitude. Ah, et là je veux grid. Allez, on se reprend, on se ressaisit, c'est pas grave. Je suis toujours 26ème, 23. Oh non! Sérieux! Non mais ça m'est jamais arrivé, ça s'est arrivé à personne! 47! Non mais what? Et le truc, je fais une erreur et ça y est quoi, il y a tout le monde derrière. En plus, c'est un truc qui est arrivé à personne, je suis sûr, genre what? Ok, bon, j'ai une bonne arrivée. C'est déjà ça. Bon, je sais pas combien je finis. 24ème! Il y a beaucoup de gens qui ont le choc la fin. Bon, bah je pensais faire un meilleur départ, mais c'est pas trop mal quand même, on va dire.
Et salut à tous les nouveaux viewers qui arrivent. S'il y a des nouvelles personnes, et bien bienvenue sur le live, j'espère que ça vous convient comme point de vue, que ça vous intéresse. 24 GG, ouais merci. Je t'avoue qu'il y a noté 46 sur la voiture, j'étais en mode mais non. Mais a priori 24, bon bah pourquoi pas, moi ça me va. Zedrom par contre, ça va? Genre 1000 points là. Eh, y a de la régule là, hein. Y'a Kill Loufoque. Kyle, pas mauvais non plus. Ils sont réguliers, mec. Tellement de gens qui te choquent ici. Ouais, la fin est pas très très simple. MDR. Non mais sérieusement, cette map là. Bêtise. Alors là, détail, s'ils ont fait exprès, je pense, de mettre des maps un peu compliquées. J'ai pas vu le map pool. K-Violette, 2 dans 3 mouvements, Sakulo, Fermader. Ok, ouais, ils ont clairement fait exprès de mettre des maps compliquées. Mais bon, ça me convient pas trop mal. Il y a une map sur deux que j'aime bien, une map sur deux que j'aime pas. Donc voilà. Betaïs, je pense que j'ai moyen de me sortir sur des 30-40e places un peu partout. Enfin, sur Betaïs, à tous les runs, je voulais dire. Oh, sérieusement là, oh, le slide, le ride. Là, ça va être chaud l'arrivée. Ok, c'est bon. Hop là, les points de style. HF. Ouh, j'ai failli louper le start. Oh non! Ah, c'était sûr, je passais pas bien là. J'ai préféré restart pour être sûr. Voilà. J'ai préféré restart, je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais perdu beaucoup de temps. Je pense que j'aurais valdingué quelque part. Donc bon, là, ok, je fais 38ème, c'est pas ouf, mais au moins, je finis pas trop mal. Là, je vous rappelle que l'objectif, c'est 40 personnes qui passent, donc là, l'objectif, c'est clairement top 40. Tant que je suis au-dessus de 40, ça me va. C'est aussi simple que ça. Ça va être chaud. Ok, c'est bon. Ok, ça va, j'ai bien rattrapé. En plus, j'ai plus de vitesse. Bon, pourquoi pas, ça me va. Que sur le run d'avant. Oh, là, ça va être compliqué par contre. Faut que je ratterrisse. Yes, c'est bon. Voilà, 19ème, ça c'est pas mal. Plutôt content. My
Allez, on continue. Ça fait deux fois que je monte vachement haut là. Des fois que je passe pas bien ici. Je perds beaucoup de vitesse là. J'aurais dû regarder un peu comment les pros passent. Ok, là c'est tout droit, je suis pas trop mal. 22. Bon bah voilà, 23 plutôt. Pas trop mal. Et on voit que Nouberix dans le chat est en train de give up. Ok, là je suis bien. Oh la smoothitude. Ah dommage. Oh dommage encore, non. J'étais si bien. Et là j'ai trop de vitesse en fait, je sais pas gérer avec tant de vitesse. Dommage. Ah là là, vous voyez que ça dégringole les places. Je vais finir 50. 44. Tu gères bien, ça va? Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Bon là, c'est dommage, j'étais super bien parti. Et raté le finish parce que trop de vitesse, j'arrivais pas à gérer. C'est dommage, mais bon, je me suis pas trop mal rattrapé. Mais ouais, ouais, sur cette map, je m'en suis bien sorti, je suis plutôt content, ouais, c'est vrai. Après, on va faire attention, il reste encore 4 maps. Mais... c'est vrai que là, je suis content. Hein. Bon, par contre là, ça va devenir plus compliqué là. Vingt-sixième pour l'instant, c'est pas trop mal. Pourquoi est-ce que je suis en spec là? Non. Allez. Si j'arrive à passer le start comme ça là sur sur le un vrai run, bon je serais content. Mais là aussi je suis vachement bien passé. Voilà pas trop mais ça allait quoi. Est-ce que je suis premier du warm-up? Premier du warm-up, MDR! Bon bah yes, bah vu que j'ai super bien réussi mon warm-up, il y a probable que je loupe la suite. Et bah alors ça c'est quand même pas mal.
Je savais que j'allais grid. Je savais qu'il fallait pas que je grid. Oh, quelle tristesse. Go vers 50ème, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Putain, dommage. Ouais, t'étais si bien, exactement, mais j'étais premier. Je suis deg là. La fin un peu random, je trouve. Ouais. Le fait de taper le mur, c'est un peu random, ouais, d'accord. Ok, je préférais freiner là. Cinquième, sixième, vrai. Je sais pas s'il y a un truc pour pas se faire bloquer par le finish. Ouais, je sais pas non plus. Je sais pas du tout. Je pense qu'il y a un petit poil de random dans le rebond quand même. Il y a peut-être une technique, peut-être faux stab ou quoi. Mais j'en sais rien. Et voilà, pas de chance pour Tom. Pas de chance. Pourquoi je grid? Pourquoi je grid? Oh non! J'ai vu que j'étais premier, j'ai voulu grid. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est trop dommage. Oh là là. Une run premier, la TM Cup sera réussie. Exactement, ouais. Là, il me reste encore un round. C'est vrai que ce serait top. Faut pas grider. Ouais, mais je sais pas pourquoi je gride. C'est plus fort que moi, là. Mais je devrais pas. Tu peux te le permettre. Et ouais, mais non, c'est pas une raison. On sait pas, sur les prochaines maps, je peux me louper, tu vois. Mais je sais pas pourquoi. J'ai vu que j'étais premier, j'ai risqué. Ça n'a aucun intérêt. Surtout quand tu vois le niveau que j'ai. Oh, dommage. Ah, c'est bête pour lui, il a pas fini. Oh là là, j'ai dû freiner. Ah, j'ai trop freiné là. Allez, un petit podium, ce serait bien là. Allez. Oh, dommage. Neuvième. Le start réduit, en tout cas, GG MDR. J'avoue, je sais pas comment j'ai fait, mais j'avoue que j'ai bien réglé le start. Bah, après, j'ai un repère, hein, mais je pensais pas le réussir aussi bien. J'avoue, je suis content de moi. Sur cette map, je suis très content de moi, même si frustré, parce que j'aurais pu faire, je pense, un top 3, voire un top 1. Mais je suis content de moi quand même.
Du coup, je suis en train de me stabiliser vers la 25ème place. Là, c'est plutôt cool. Plutôt sympa. Let's hope for les prochaines mobs. Ok, bon, bah là, par contre, ça va être chaud. Ça s'annonce plus compliqué, là. Mais j'ai DNF, tel boulet. Je vais allumer les lampes du bureau un petit peu. Nickel, c'est mieux comme ça. Bon là ça risque d'être la débandade là. J'ai pas envie de perdre sur une map comme ça, là, comme celle-là. J'ai pas envie de perdre sur une map en fait. Parce que là j'ai combien de points là? J'ai 2415, le 60ème il a combien? Le 40ème 1597, ok j'ai 600, 700, 800 points d'avance. Bon faut pas trop perdre quoi, faut safe. Save map là, il faut save. Mais sauf que je sais pas save le start. Bon. Ah oui, oula. Ok, je m'en suis pas trop mal sorti. Pourquoi ça ralentit là? Il y a un boost à l'envers ou... C'est assez bizarre. Ok, j'ai touché le mur, hein, mais... C'est pas la première fois que ça me fait un truc bizarre là. Zedrom, il est chaud là! Incroyable! Zedrom très très chaud avec Loufoc aussi, Kyle, Yakid. Et ils sont entraînés hein! Mais Revo d'ailleurs, 8ème! C'est dire à quel point ils sont entraînés! Après, peut-être que Revo n'est pas à l'aise avec le nouveau jeu. Ah, ok, c'est. Je me rappelle plus comment je suis passé tout à l'heure pour que ça passe proprement. Ok. Ok. Allez. Non. Oh. 41, bon. Pas top là.
Oh non. Peut-être essayer de safe encore plus. Ouais, mais remarque, c'est chaud. Hein. Oh, je sais pas comment faire là. Oh non, je suis pas droit. Allez, peut-être de la chance. Allez. Oh, c'est pas trop mal. J'aurais eu pire. Ok, bon 60e, moyen. En tout cas, on sent que il y a de moins en moins de personnes sur SRR, là on est 80. Je le sens parce que j'ai de plus en plus de FPS, là je suis à 90 FPS. Ouais, 90 FPS donc je peux être à 80 en run, je sais pas trop. Mais du coup je sens que ça va de mieux en mieux quoi. C'est de plus en plus fluide. Ok. Oh non. Ah, j'ai failli passer bien. Allez. Allez. Non, mais sérieux. Allez! Démarre! Oh là 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 là! On est 80, je suis 72e. Avec 9 secondes de retard sur le mec devant. Ça me rend triste. Voilà, et là je perds 5 places d'un coup. Oh là là. Et là je suis 31ème, là va pas falloir souper. Hein. La 40ème place se rapproche. Et c'est pas du tout une map que j'aime, Sakuro. Allez là, l'objectif ce serait quand même passer le 3ème tour, ce serait bien là. Après il y a Fermadère, certes. Mais là avant, faut passer celle-là quoi. Allez. Jouer safe. Bah je sais pas. Parce que justement là... Alors je pense aussi mais... D'un côté si je joue trop safe tu vois je risque d'être limite. Mais je pense que sur celle-ci je vais jouer safe ouais et après on verra. Et je pense aussi que je vais jouer safe sur celle-là. Oh non, le no drift. Alors ça faut pas que ça arrive en vrai, non. Peut-être que je devrais faire un néo ici, mais bon. J'ai du mal les néo à droite. J'arrive bien à gauche, mais à droite j'ai du mal. Bon allez. Vamos. C'est le moment de essayer.
Oh non, j'ai voulu trop safe. J'aurais dû garder l'accélérateur. Ah, oh, je savais pas qu'il y avait un poteau là. Oh non, et là je grid. Oh là là, quelle tristesse. J'aurais pu faire 25-30. Je fais 39, 40 même. Quel nul. Là c'est le moment où... Ah là là, la débandade. Allez, il faut tenir. Il faut tenir. 32, aïe aïe aïe, allez. Non, mais non, mais... Il est si simple ce jump pourtant, mais exactement, mais en fait j'étais vachement large, j'étais vachement à droite et j'ai eu peur de taper le mur. Et puis tu vois là je commence à stresser, enfin c'est pas du stress mais enfin voilà, tellement que les trucs simples me paraissent, enfin je les réussis pas forcément tu vois. Là j'en arrive au stade où même le simple ça devient compliqué. En fait je choke tout là. Le no-drift et je me prends une branche. Sérieusement, je me prends une branche. Une branche. Mais MDR. C'est trop triste, ça. Une branche. Oh là là, je suis si triste. Ça, c'est vraiment dommage. Et j'étais pas mal, encore une fois, hein. J'étais 25. Ça devient compliqué, là, les places. 34e. Allez, il faut tenir, là, il reste 5 rounds. 1 sur cette map, 4 sur la map d'après. Il faut tenir. Non. Attends, je pensais que j'avais assez freiné pour ça, là. Je vais jouer sur Fermadère. Non. Ah, j'ai eu de la chance. Oh, dommage. En fait, le truc de avoir la place sur le capot arrière, là, je trouve ça... En fait, moi, ça me fait stresser. En tant que spectateur, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir le truc écrit à cet endroit-là, mais en tant que joueur, ça me fait stresser. Et c'est dommage, parce qu'avant, du coup, quand tu désactivais l'affichage,
tu voyais pas ta place. Et moi, ça m'aidait bien. Comme ça, quand je connais pas ma place, je fais un run classique sans stress. Là, je me mets du stress en voyant ma place, et du coup, bah c'est pas une bonne chose pour moi, quoi. Donc je trouve que c'est bien pour les specs, mais pas bien pour les joueurs. Après, en tout cas, pas pour moi. Bon, dernière map, je suis place 34. Faut que je regarde combien il y a d'écart avec le 40ème. Il y a 300 points d'écart. 300 points d'écart, c'est pas énorme, mais... je vais peut-être baisser un peu les lumières dans cette map. Parce que si j'enlève les lumières, j'aurai mon repère. Ce sera mieux. Ouais, je vais faire ça. Je vais baisser les lumières. Je vais juste finir un peu avant, histoire de... Et là, ça va être le moment de... Faut pas regarder. Ouais, mais c'est simple à dire. Mais c'est dur à faire de ne pas regarder. Quand t'as le réflexe, c'est compliqué. Voilà, ça serait pas mal comme run. Allez. Je vais juste couper 2 secondes le micro pour ça. Voilà. Là, je suis dans le noir. Ça va être mieux pour voir le panneau. Allez, HF. Par le repère. Voilà. Au start. Oui, 6ème temps. Ça fait plaisir. Allez, on reprend des points, on continue, go go. Sixième, fait plaisir sur cette map. Là, j'aime bien cette map. Ouais, c'est vrai que je suis assez à l'aise dessus, c'est vrai, c'est cool. Waouh, c'était limite là. Oh là, j'essaye de ouf là. Oula, oula, oula. Ok. 5ème. Allez, allez, c'est ça qu'on aime. Je prends de la marge, là, je prends de l'avance avec les mecs derrière. Avec la 40ème place. Allez, encore un run et ce sera bon. Un run et il en reste deux, mais si j'ai le droit d'en foirer un sur les deux là. Allez.
Allez. Quatrième. Oh, c'est cool. Cette map, elle est... J'ai vraiment... Je suis à l'aise dessus. Je l'adore. Vraiment, elle est grave bien. Bon, bah voilà. Normalement, c'est bon. Mathématiquement. Oh, ça fait plaisir. Je suis en train de remonter, là. Je suis 29ème. Je vais sûrement être 28, 27. Ah, je suis à l'aise sur cette map. Ça fait plaisir. Ah, je viens de faire mon PB. Tout simplement. Très très chaud, GG. Merci. Allez, je vais essayer de faire encore un beau run, là, ce serait bien. Vraiment une map que j'apprécie, en tout cas. En dehors du fait que je suis bon dessus. Hein. Oula, mauvais départ. Ah, c'est pas grave, on finit bien. Ouais, bon, bah, de toute façon, j'avais le droit de fail en run. Oula, la pression qui redescend, là. J'ai la pression, là, sur les 7-8 derniers rounds, là. Dodge 18%, rien à voir, je sais. MDR, sérieux? Je suis pas du tout. Je suis pas du tout dans le Dodge là. Je suis pas du tout dans les cryptos. Et je ne suis pas. Je n'ai pas de Dodge. Bon, bah voilà, 28ème, je pense. J'attends que les points s'actualisent, mais je pense que je suis 29. Ouais, voilà, 29. Et bah écoutez, ça veut dire que. Ouais, ça, tu pouvais te le permettre, exactement. Ouais, c'est pour ça que j'ai. Là, pour le coup, j'ai essayé de grid, mais c'était pas bien parti. Enfin, bref. Mais voilà, je suis content du coup. Objectif atteint, je passe le troisième tour sans train. Je rappelle que je suis no train. Donc là, je passe au tour 4. Bon, bah, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool.